Cette fois-ci, c'est sur ATS. Ah, c'est rigoureusement la même chose au final. Hein. La différence étant essentiellement la carte. Si je fais comme ça, donc je vais plutôt essayer de m'aligner derrière. Merde, évidemment, j'ai pas fait attention. Enfin, ou plutôt, j'ai pensé qu'il s'arrêterait alors que ben non. C'est vrai que l'IA est pas intelligente. Pas une IA d'ailleurs, c'est juste du code. Parce qu'il faut aussi arrêter d'utiliser ce terme d'IA à tout bout de champ, ça a le temps de m'énerver. Une IA, c'est du code qui est capable d'apprendre. À partir du moment où il n'y a pas d'apprentissage dans le temps, ce n'est pas de l'IA, c'est juste du code. Point barre. Alors, quoi qu'il en soit, on va remonter par là-bas, pourquoi pas. Remonter toute la Californie, enfin moitié en tout cas. Ah, par contre, autant sur Eurotruck, je veux bien acheter des DLC de temps en temps, autant faire American Truck, non, faut pas déconner. Je vais pas financer les deux. J'aime bien ces jeux, c'est pas la question, mais je suis pas non plus. Passionné comme certains peuvent l'être. Ça doit être bon là, je pense. Ok. Et il y a aussi le fait que les camions sont presque tous des long noise, donc un museau si vous préférez. Justement,
tellement de grands espaces, de par la géographie d'origine, que là c'est exagérément vide, littéralement. Ça va être un poil plus long puisque le trajet est quand même un peu plus long de ce que j'ai pris là. Il y en a pour 7 heures. Donc ça fait 30 minutes à peu près. Un petit peu moins. Un petit peu moins, un peu plus. En fait, ça dépend comment ça va se passer. Il y a énormément de routes directes, ça va aller à peu près vite. Et puis sinon, bah, ça va traîner un petit peu. Allez, on va dire 35 à 40 minutes grand max. Et je serai dans mes heures de conduite de toute façon vis-à-vis du jeu, donc là il n'y aura pas d'histoire, j'aurai pas de PV à cause de ça. Tout ça éventuellement.
y a un peu de petite route, c'est quand même un petit peu plus sympathique.
là il est vraiment creux, il donne vraiment une impression de vide. Encore plus que Euro Truck Simulator parce que déjà il y a moins de véhicules qui roulent. Mais en plus comme il y a des espaces beaucoup plus grands, justement des plus grands espaces, ça augmente encore ce sentiment là. Juste et encore moins dans celui-ci par rapport à l'autre truc qui est quand même un tout petit peu mieux fait de ce point de vue-là. Il y a moins d'effets bizarres comme ça.
J'ai pourtant fait gaffe, mais j'ai pas vu quand même. Serveur local de circulation qui utiliserait tous les autres corps, ce serait quand même très très avantageux et ça rendrait le jeu beaucoup plus intéressant. Mais bon, c'est facile à dire. Oh putain, rond-point aux États-Unis, ça va.
c'est pas tout de suite à gauche, je dois faire tourner encore une fois à gauche après, à tous les coups. Ouais, 9h10, ça je m'étais pas trop planté sur mon estimation. Alors je te le garde où ton truc. Quasiment à gauche au fond. Thank you.
passer en vue extérieure pour faire comme si je descendais pour estimer. Ok. Je l'ai surcompensé ou j'en arrive là? Je l'ai surcompensé. Je vais être bon pour arrière, mais pas tout à fait pour l'avant. On fait chier, j'ai toujours de ravancer encore. Je pense. Ouais, parce que là j'arrive presque sur la grille. S'il n'y avait pas eu ce truc là devant là. Et puis tout le fait qu'il fait.
Eh ben, yo. Ça aurait été coton celui-là. Mais c'est tant mieux, c'est plus amusant comme ça. Alors, par contre, il faut que je trouve où est-ce que je dois aller me... Merde, c'est pas ça que je vais faire. Où est-ce que je dois aller stationner, pour le coup? J'ai dit non, t'es gentil, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Alors. Je peux pas. Bon, je vais quand même aller voir ici si je peux ou pas. Et puis sinon, bah, j'irai. Oula non. Ouais, ou alors je vais la direct. Ok, on va tester ça. Alors, troisième ici, on s'en fout. Hop. C'était où les sorties là, c'était là. Bon, ça c'est une grande idée des développeurs, là ils se sont bien chiés dessus, ils ont mis un générateur de circulation juste à côté d'un feu. Donc tant que le feu dégage pas, bah, le générateur de circulation dégage pas. Et oh. Thank you.
sens sur ce coup. Et c'est fini. Alors par contre là évidemment j'ai beaucoup moins puisque je roule beaucoup moins sur celui-là. Beaucoup moins de garage, beaucoup moins d'argent, beaucoup moins de camions, beaucoup moins de remorques. Tout à fait normal.